Hey, bonjour à toutes et à tous, ici Tatsu, et bienvenue chers amis dans Crossfire Légion. Légion, oui c'est ça, c'est la Légion. Que dire, banger, vraiment vraiment banger, j'ai un peu craqué sur le jeu. Est-ce que c'est le futur Commandant & Conquer? Je le pense, vraiment, le jeu est arrivé hier soir. Que dire, il est déjà en VF. En VF, donc ça parle français, c'est entièrement traduit en français. Il y a un workshop sur Steam qui n'est pas encore là, mais qui devrait arriver incessamment sous peu. Et franchement, le jeu est beau, les explosions sont superbes. C'est parti. Ah oui, alors tu peux jouer évidemment en escarmouche directement en compétitif, ce qui fait que je ne suis que niveau 1, puisque je me suis un top tape fait défoncer. Hein, malheureusement, j'ai envie de dire vraiment malheureusement, il y a ce truc de celui qui fabrique le premier, ses unités attaquent immédiatement, donc t'as pas le temps de faire une belle base, ce genre de choses. Mais ça, c'est pas grave. Mais franchement, il y a une campagne où c'est scénarisé, où les voix sont en français, et franchement c'est banger, il n'y a rien à dire. Allons-y, on va faire la mission numéro 3. La mission numéro 1, c'est vraiment, ils te mettent quelques petites unités. La 2, ils te mettent quelques véhicules en plus. La 3, allons-y. La 3, normalement, c'est banger. Alors, je pense que tu peux mettre en... Ouais, j'ai presque envie de mettre en facile, parce que franchement, c'est pas toujours évident. Et ça, c'est un peu tant mieux, quand même, hein, parce qu'il faut vraiment pouvoir attaquer en même temps, parce qu'évidemment, t'as toujours ce truc de les véhicules sont plus rapides que les hommes à pied, mais par contre, il faut vraiment tout coordonner, et ça, c'est vraiment, vraiment cool. Ok, allons-y. Alors, il y a les gentils, enfin, il y a plus ou moins les gentils, les méchants, il y a des gentils rebelles. Ça parle ? Arrivée de Freefall. Voilà, nous avons réussi à récupérer le paquet. C'est maintenant que ça devient difficile. J'ai commencé à décoder les données de Global Risk, mais percer leur logiciel de cryptage va prendre du temps. Jusqu'à présent, j'ai réussi à décrypter une technologie cachée dont le nom de code est GhostKit. Je me suis équipé d'un prototype, mais je dois le ramener au QG pour commencer à en équiper nos forces. Je suis en route pour rejoindre Phoenix et faire sortir ce paquet d'ici. Il semble qu'il y ait une forte présence de Global Risk dans la région. Il faut qu'on trouve comment passer. Comme si c'était pas assez difficile, il y a des prisonniers dans un camp près de notre route d'exfiltration. Le bon côté des choses, c'est qu'on ferait une bonne action en les libérant. Ils pourraient être en mesure de nous aider. Voilà, elle, c'est une héroïne. Le tunnel s'est effondré. Ça me laissera du temps pour arriver à notre point de rendez-vous. Reçu. J'aurais pu voir... On est dans une ville... Ça nous permettra d'éviter les troupes ennemies. Voilà, les snipers. On est dans une ville qui est, comment dire, prise d'assaut par Freefall. Ici Freefall. Prise d'action. Blablabla. Alors attention, évidemment, il faut pas se faire repérer. Tu peux venir ici. Départ vers le point indiqué. Alors elle, elle a un camouflage et un piratage. Départ vers le point indiqué. Bah, bute-le. Merci. Camouflage à un piratage, mais il faut pas que... Départ vers le point indiqué. Petit souci, c'est qu'elle a la gâchette facile. Départ vers le point indiqué. Hop là, là tu me vois, là tu me vois plus, là tu me vois, là tu me vois plus. Départ vers le point indiqué. Merci. Départ vers le point indiqué. Nous avons un générateur en vue. Le générateur. Alors, je fais la mission 3 pour la bonne et simple raison qu'on peut avoir la base dans cette mission-là. Départ vers le point indiqué. Voilà, nickel. On l'a bien descendu. Piratage en cours. On pirate le générateur et on est au vert. Voilà. C'est bon de te voir, Freefall. Que dire ? Ok, on en est où ici ? Il faut dégager la sortie pour que je puisse faire passer cette technologie. J'arrive. Elle est trop lourde pour un transport aérien. Oui, le seul moyen sera par voie terrestre. D'accord. Il faut qu'on vole des trucs. Ligne. Il faudra récupérer des ressources pour la rendre opérationnelle. J'ai reconnu la zone. Il y a 3 points protégés de Global Risk où nous pouvons voler des ressources. Mettons la base en route. Voilà. Enfin, voler des ressources avant d'avoir la base. Et une fois qu'on a la base, on va pouvoir commencer à avoir les... Les troupes et les chars. Allons-y, c'est parti. Les données que j'ai récupérées pour le moment contenaient tous les plans de Mount Riley et aussi ceux du GhostKit. Et ce n'est qu'un début.
Attends, on va se rendre invisible. Le serveur d'Islande tourne H24 et il nous reste encore plusieurs pétaoctets de données à parcourir. Il va nous falloir des mois. Elle va le buter. Il faut faire le ménage doucement, hein, en fufu. Voilà, ils me voient pas parce que je suis invisible. Mais ils peuvent vite me repérer. Non. Voilà. Ok, ça c'est bon. On redevient invisible. Le petit souci, c'est quand on lui demande de faire quelque chose, elle a la gâchette facile, par exemple. Là, tu vois, c'était pas la peine. C'était pas la peine, elle se sentait obligée de buter ce type. Après. Départ vers le point indiqué. Mais ici, poulette. Départ vers le point indiqué. Allez. Encore un petit peu. Tout système activé. Voilà, je sais que ça te fait plaisir. Alors vas-y, détruis cette base. Ce petit machin, je sais même pas ce que c'est exactement. Ah si, c'est un truc pour fabriquer des hommes. Ah bah oui, donc il faut bien le buter, en effet. Ok, on a des procs, on a de quoi soigner. De quoi soigner. Et en fait, on gagne de l'énergie pour utiliser ces procs au fur et à mesure qu'on bute des mecs. Voilà, tout simplement. Je crois que mon micro a un peu coupé, là. C'est un peu bizarre. Ok, pour l'instant, les prisonniers sont complètement inutilisables. Voilà, vous voyez, je me suis rendu invisible. Je suis caché dans mon nez. Tu peux plus me voir. Voilà, le jeu est vraiment banger. Juste, il faut le prendre au sérieux et il faut pas, comment dire, faire n'importe nawak parce que ça passe pas. Tout simplement, hein, tout simplement, ça passe pas. Viens ma belle, viens free fall. Voilà, donc c'est les gentils rebelles contre les méchants de la planète. Que dire, ça change un petit peu, mais. Cible marquée. Casse-toi. Cassos. Cible marquée. Invisible. Et tu vois, il faut que je la soigne à nouveau. On voyait les coups là. On voyait les coups. On voyait dans le feutré. Départ vers le point indiqué. Bute-moi ce pont. Allez, en long. Allez, vas-y, compris. Ma belle. Les secours sont en route. Oh, il y a du lourd là, il y a du lourd. Elle peut le faire, elle peut le faire. Compris. Hop là, oui, voilà, ils sont trop cons. Ils sont trop cons. Donc, si je lui demande de passer cible derrière. Ouais, ok, ça va, c'est bon. C'est bon, elle l'a pas jugé bon de tirer. Départ sur tout ce qui bouge. Waouh, attention, il y a un tank là. Bah tu vois, je peux pas. Calme-toi. Elle a la gâchette facile là. Voilà, il me voit plus. Là tu me vois plus. Compris. Ok, super. On va voir s'il a encore là le temps. Départ vers le point indiqué. Alors, je crois qu'on me tire dessus. Là. On me tire dessus. Le brouillard départ de guerre, comme d'habitude, là, bien évidemment. Alors, attention, j'ai départ pas fini cette mission. Je l'ai absolument pas fini. C'est-à-dire que j'espère la finir avec vous. J'étais pas trop loin. Voilà, on a toutes les ressources. Ah oui, d'accord. Oui, en fait, elle cible va. Marquée. Voilà, oui. Ok, ça c'est le scénarium. Et en fait, elle va vite revenir. Ok, la base, on l'a enfin, bien on a sûr. Toutes les ressources. Profitez-en pour accélérer la production. Commencez par la caserne. Et elle est là. Il faut évidemment pas qu'elle meure, parce que si elle meurt, c'est foutu. Même si elle fait énormément de dégâts, et ça c'est cool. Ok. Alors, les petits chariots qui sont là, qui sont fabriqués par cette usine ici, qui vont aller chercher. Du matériel de construction et du carbu, hein. Site de carbu. Carbu et matos de construction. Et bah, c'est eux qui sont chargés. Blacklist, d'accord. Qui sont chargés de créer les casernes. D'accord.
et tout le merdier. Tiens, viens ici, toi. Je crois que je peux pirater les tourelles lourdes des fortifications hostiles. Ok. Il y a des matériaux prêts à l'emploi. Ouais, d'accord, on se calme. Je peux toujours pas, j'ai pas assez de ressources là, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça déjà exactement? Voyons ce qu'ils peuvent faire en grand nombre. 250. Affecter des ouvriers aux installations de production. Alors, on va faire des petites tourelles ici de protection. Déplacez-vous et signalez. Toi, j'aimerais que tu t'améliores au niveau 2. Toi, j'aimerais que tu t'améliores tout de suite au niveau 2. Tu cherches le truc ici. Toi, je sais pas si je peux encore faire l'usine de blindés, pas encore. Déplacez-vous et signalez. Toi, tu me fais commencer à construire ça comme ça. Alors, je... Ouais, non, d'accord. La tour de garde est opérationnelle. Attends, du coup, encore une tour de garde. Enfin, plutôt deux même. Commencez à construire. Formez nos jackals à la manipulation de charge. Ouais. Les jackals, la manipulation de charge, tout ça. Voilà, comme ça on est à peu près protégé la manipulation de... Alors ça c'est des Mamba qui peuvent devenir invisibles. Franchement, c'est pas top. Hein. C'est pas top. C'est peut-être pas la peine de justement soigner la base. Elle est là. Équipez tous nos Mamba avec des ghost kits. Enfin. Commencer à construire les blindés. On y va, tant qu'on a des ressources, il faut y aller. Toi, usine de blindés. L'usine de blindés, elle arrive. Notre usine de blindés a besoin d'être réparée. Non ? Déplacez-vous et signalez. Bah alors, on n'avait pas commandé une autre tourelle de défense ? Hein ? Merci. Donc celle-ci, la tourelle de défense, on va la mettre au niveau 2. Ça coûte des ressources. 25. Ouais, ok, c'est bon. C'est pas dramatique, c'est vite. Rassembler. Où il est, lui? Qu'est-ce que tu branles? La matériau de construction. Allez, homme boss. Ensuite, je vais faire surtout des soldats comme ça. Hein. Des jackals, pour moi, ils sont bien mieux. Hein. Je sais qu'ils me demandent, dans le jeu, de faire des Mamba. Pour les rendre invisibles et pour faire du fufu, franchement, ça marche pas bien. J'ai vraiment envie de dire ça marche pas très bien. Celle-ci, je la rends tout de suite niveau 2. Comme ça, je peux fabriquer le reste, mais avec des scorpions et des beetles. Ouais, d'accord. La mise à niveau, ensuite ça, et ensuite les bombes au napalm, et puis déverrouiller les brûleurs. Alors, c'est... Comment dire, c'est pas une armée régulière, donc c'est les rebelles, donc on se bat avec des briquets et du broc, voilà. Et franchement, de près, je trouve ça vraiment très joli. Regarde-moi ça, c'est vraiment très très cool, hein. Les petits monts de charge et tout. C'est... Alors je sais pas, j'ai peut-être pas trouvé le... Non, je peux pas me tourner. Ici Freefall. Ouais, Freefall, je sais que c'est toi ma belle. Voilà, ça c'est pas la peine. Toi, tu retournes au boulot. Attends, est-ce que je peux fabriquer ce truc-là maintenant? Now in the town. Ah oui, c'est vrai que ça je peux pas encore le fabriquer parce qu'apparemment on a des brouilleurs. Et c'est pour ça qu'il faut que j'aille buter ces trucs là. Ils sont où déjà? Détruire les bases de fortification. Ok, et puis former de l'infanterie 5 sur 10. Voilà, c'est ces trucs là. Voilà, les matériaux on va les voler. Mais pour l'instant ça on a fini. Donc que veux-tu? Tu veux la caserne niveau 3, enfin tu veux le truc niveau 3 et ça coûte 400 balles. Bon, on s'en fout, faisons-le. On va le faire vite. Donc il faut d'abord qu'on monte tous les bâtiments. Ok, donc on va faire ça pour pouvoir commencer à attaquer. Toi tu m'en fais encore s'il te plaît. J'ai plus de matériaux, OMG. Nouveau jackal prêt pour les opérations. J'ai plus de matériaux, bon bah c'est... Déplacez-vous et signalez. Pour assembler les matériaux. Évidemment, j'ai joué un peu plus vite qu'avant parce que quand tu sais pas trop le pourquoi du comment. Pour assembler les matériaux. Ouais, on rassemble les matériaux. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me parles meilleur, hein, s'il te plaît, Maurice. Ralliement. Nouveau scorpion sorti d'usine. Voilà. On a donc des scorpions qui font des lance-grenades, hein, il me semble. Hein. Ah.
Grenade à gaz. Ouais, je pense que c'est un capacitant pour les humains. Et ça, c'est bon. Mais déverrouiller napalm. On n'a pas encore déverrouillé le napalm. Qui ne saurait tarder puisque ça, c'est en train d'arriver au niveau 3. Ok. Donc, on a des hommes. On a des engins. On va commencer à attaquer. Alors, très très important. Le petit souci, c'est qu'ils ont tous des procs. Ça, c'est vraiment le petit souci. Ils ont tous des procs différents. Mais quand je les sélectionne ensemble, bah, j'ai plus aucun proc. À la rigueur, j'ai vite fait Free Fall. C'est même pas elle. C'est le seul Mamba que j'ai. Tu vois, c'est n'importe quoi. Voilà. Et ça, c'est vraiment un petit peu le sous-sail du jeu. Nouveau Beetle armé et paré. Ok, on va y aller avec plusieurs engins. Hein. On va y aller avec plusieurs engins. Hop là, Tatsu, il s'installe. Attention, ça risque d'être un petit peu long. Bon, pour l'instant, on n'a pas grand-chose comme bonhomme. On récolte des ressources. Ouais, vraiment, on a tout utilisé. Donc tu vois, il y en a qui ont des trucs à gaz. Ah, quand même, elle, je l'ai. Enfin, non, où vous allez, là? Qu'est-ce que vous branlez, vous? Oh, on est où, là? On n'est pas chez Mémé, hein? Il y a du carburant prêt à l'emploi. Les voies Jackal prêts pour les opérations. Vous êtes sur la collecte de carburant. Ouais, là, ici, va faire du carbu, toi. OMG, l'autre. Les hommes sont extrêmement, extrêmement faibles. Tu peux pas monter, hein. Tu peux pas monter, c'est un peu dommage. Nouveau scorpion sorti d'usine. D'accord, nouveau scorpion sorti d'usine, on va y aller. Ici Free Fall. On y va. Alors comme d'habitude, c'est des fourmis. C'est-à-dire que si tu leur donnes une direction, ils vont prendre le chemin qui n'est pas forcément le plus court. Toujours un peu compliqué. Voilà. C'est des fourmis, c'est pas toujours très très intelligent. Départ vers le point indiqué. Départ vers le point indiqué. Voilà, regarde, hop là. Nouveau scorpion sorti d'usine. L'autre, il va faire le tour. Tu te calmes, départ Maurice. Départ vers le point indiqué. On va aller par là. Alors, petit souci, ils sont en. Départ vers le point. Deux portes nous séparent de la base. Ouais. On dirait qu'elles sont alimentées par des générateurs. Donc, il va falloir faire le tour et buter les générateurs. Et là, tu vois, pendant la cinématique, voilà. Moi, mes bonhommes. Voilà, et donc là ils continuent à me mettre une cinématique. Là mes bonhommes ils sont en train de se faire défoncer. Et je regarde la jolie cinématique avec les prisonniers qui prennent des armes. C'est bien, hein? Heureusement que j'ai fait plein de véhicules, là. Mais tu vois mes bonhommes, il y en a plus un d'envie. Besoin d'attendre pour cette construction. Et si tu veux les soigner aussi, c'est un peu compliqué. Ah, mercredi. Merde, j'ai un engin qui... Besoin d'attendre pour cette construction. Qu'il vous faut ? J'ai un engin qui vient d'exploser, mercredi. Départ vers le point indiqué. Départ vers le point indiqué. Ça, tu me détruis. Alors, ça fait des hommes. Allez, on y va les enfants. Départ vers le point indiqué. Ah oui, alors ça j'aurais pu le. Oh là 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 là. Départ vers le point indiqué. Ouais, j'ai compris. Nous avons perdu une unité d'infanterie, secteur nord. Tiens, viens ici. Cible marquée. Ouais, viens ici toi. Qu'est-ce que. Où c'est que ça tire? Beetle reçu. Ah oui, d'accord, je peux commencer à les buter par là, c'est pas mal ça. Tu sais quoi, ça c'est pas mal. Aïe 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 aïe, ouais. Les secours sont en route. Qu'est-ce qu'il vous faut? C'est bien. Et ici. Cible marquée. Tu me pirates ce truc. Ah, c'est bien qu'on puisse commencer à grignoter un petit peu sur les vilains par là. Ok, il faut. Qu'on continue à faire des engins. Oui, bon, le piratage a démarré. Un générateur de moins. On nous a capturés et parqués ici. Laissez-nous participer au combat.
Voilà, il y a des petits bonhommes, je sais qui ils sont. Pour ouvrir le passage vers la base. Attends, ils sont les petits bonhommes. Unité parée. Et c'est des unités plus plus. Sur le terrain. Ok, j'avance. Bougez pas, hein, mec, hein, on arrive. Hein. Ici Free Fall. Attends, hop, bouge pas pendant que je te soigne. Alors il me faut 5 points, j'en ai 54, donc c'est juste nickel. On a réussi à le détruire. Allez, on y va, venez par là. Mamba sur le terrain. Ouais, ce qui serait bien, c'est de pouvoir voir qui c'est qui est. Bon, ils sont un petit peu abîmés, mais pas trop. Et c'est dommage de pas pouvoir avoir tous les procs de tout le monde. Bon, je sais pas trop comment est-ce que ça marche avec ce truc-là. Est-ce qu'il faut les assigner, ce genre de choses. Ouais, fais-moi des engins là, on va en avoir besoin. Fais-moi des hommes, bon. Ah non, attends. Il y a des matériaux prêts à l'emploi. Pas les machins, ils sont un peu nuls, ça c'est pour nouveau soigner. Ouais, toi tu fais ça comme vous ça. Êtes prêt pour la mise à niveau. Nouveau jackal prêt pour les opérations. Il y a des matériaux prêts à l'emploi. Vous êtes prêts pour voilà, la mise il faut à que niveau. Tu me trouves les nouvelles nouveau technologies. Pour les ouais, on est d'accord, vous êtes tous prêts, c'est très bien les filles. Venez. Ils sont gentils, hein. Ok, j'avance. Il faut surtout pas que je perde la miss là. Okay, ça, c'est un j'avance. Peu le problème. Ils ajustent leur tir. J'y vais. Voilà, je sais qu'il y a un seul char ici, il est là. J'allume. Et je peux leur donner du courage au mec. Améliorer le crocodile. Tiens, c'est cool. Savoir qui c'est qui est blessé. Bah, tu vois, je viens de heal quelqu'un qui ne l'était pas. C'est pas terrible. Qu'on fasse un autre bonhomme. Il y va! Venez, viendez. J'attaque les troupes ennemies! Bon, ça c'est rien, hein! Parce que là, il va y avoir. Il va y avoir beaucoup de monde. J'y vais! Lance-flammes font un malheur. Bon, tu vois, regarde, les bonhommes, ils fondent comme neige au soleil. Hein. Les bonhommes, okay, c'est j'avance. Pas baigneur, hein! Pas avec ce mot, bon sang, Banger en ce moment. Elle est où? Ici Free Fall. Free Fall, viens ici. Unité parée. Ah oui, alors déjà, Free Fall, s'il te plaît, ici, viens ici. Il faut que tu me déverrouilles ce truc-là, normalement ça nous permettra de voir un peu plus clair. Au niveau du brouillard de guerre. Hein. Les Beatles ont les cartouches au napalm. Unité parée. Voilà, et donc du coup. Ok, j'avance. Notre progression s'annonce bien. Normalement, elle peut le pirater, mais ils y sont allés comme des bons, hein, donc why not, quoi. On espérait plus sortir, on vous accompagne. Ah oui, petite cinématique et tout. Lion sur le terrain. Allez, Lion, ils font des lasers, les Lions, plutôt cool. J'y vais. L'offensive. Non, je sais pas s'il arrivera à me le pirater. Lancer, oui, d'accord. Donc, du coup, il est chez nous. Il est de notre côté. Forteresse ennemie détruite. Contact, chasseur ennemi. Ok, on a pris. Lion paré au combat. Okay, je vais pirater le générateur là. OMG. Essayez de soigner quand même. Hein. Générateur et HS. Les portes ceux sont ouvertes. Qui en ont besoin. Nous avons éliminé toutes les forteresses ennemies. Beau travail. Notre dernière cible est accessible. Détruisez la base ennemie. Ok, j'avance. J'aurais bien aimé que vous restiez là. Voilà, et que vous les attendiez. Parce que ça, c'est les très très classe. Comme ils sont en haut. En hauteur, pardon, eh ben Allez, soigne-moi ça, là. Soigne-moi mes...
mes machins... Besoin d'attendre pour cette construction. D'accord, donc ça devrait aller. Unité parée. Ok, donc il faut détruire toute cette base-là, mais regardez, et franchement, sachez qu'ils vont faire extrêmement mal. Même si j'ai ma frappe électronique, eh ben, ce sera pas du luxe. Hein. Ok, j'avance. Ce sera pas du luxe, et pas qu'un peu. Il va me falloir tous les engins du monde, et franchement, que des engins. Hein. Que des engins, ils sont là. Ouais, fais-moi que des engins comme ça. Reçu 5 sur 5. On va se mettre en route, hein. On déménage. Unité parée. Qui c'est qui est blessé? Les secours sont en route. Non, pas lui déjà. Unité parée. Alors je vais rentrer là-dedans et je vais détruire cette merde. Mais si je m'avance. Tir enclenché. Nouveau crocodile prêt au travail. Les secours sont en route. J'y vais. Non, moi ce que je veux c'est sécuriser la miss. Elle est où? Qu'est-ce qu'il vous faut? Toi tu restes là ma belle. Toi si tu meurs je suis foutu. Les secours sont en route. Ok, les secours sont en route. Ouais, venez donner votre vie pour la cause. Venez donner votre vie pour la cause. Reçu 5 sur 5. Reçu 5 sur 5, alright, alright. Déménageons. Enfin, normalement j'ai toutes les technologies, normalement j'ai absolument tout. Les hommes c'est pas forcément la peine, tant pis ils iront mourir. Hein. Là c'est... Qu'est-ce qui se passe là? C'est bon? Pourquoi il y a 2000 sur 2000? Pourquoi ils fabriquent plus? Oh, j'ai trop d'engins. Me dis pas que c'est limité en termes d'engins. Non c'est pas vrai, je crois que c'est limité en termes d'engins. Je crois que c'est limité en termes d'engins. Reçu 5 sur 5. J'attends les ordres. Ouais, bande de sac à mode. Attaque d'infanterie hostile. Tout stratégique déployé en soutien. J'attaque l'ennemi. Je prends des tirs. Là, normalement. Bah, tu regardes. Le temps qui se. Ici. Les deux. Tir enclenché. Base de Global Risk en vue. C'est parti, les amis. Lancez l'assaut final. Tir enclenché. Non, il y a des engins à l'arrière qui servent strictement à rien parce qu'ils peuvent pas attaquer. Tir enclenché. Atout stratégique déployé en soutien. Ok, normalement ça la paralyse. Voilà, donc les camions ils font des rayons laser et ça se crie. Qui c'est qui est blessé là? C'est toi? Voilà, et là vous vous régalez mec, hein, allez-y. Hein. Allez-y, faites donc là. Petit festin. Alors je suis arrivé à ce niveau là aussi, mais c'est la miss qui est morte en fait. Je passe à l'offensive. Attendez, mangez pas tout de suite. Je passe à l'offensive. Enfin, ils écoutent pas, ils ont envie d'attaquer. Je passe à l'offensive. Ok, donc ça c'est leur base finale, normalement c'est fini après ça. Voilà, et la miss elle est safe. Je sais plus où elle est, mais elle est safe. Elle est safe. On a réussi. Allez, prenez l'appareil et fichons le camp d'ici. Cap sur Mount Riley pour mettre fin à cette guerre pour de bon. Et oui, Jamy. Et franchement, je trouve le jeu vraiment génial.
Vraiment, je le trouve très très cool. Les trois premières missions sont vraiment très très cool. J'ai, peut-être pour la prochaine vidéo, hein, je vous ferai une petite escarmouche avec quelqu'un. J'ai eu un peu de mal à trouver trois personnes parce que c'est des escarmouches. Parce que c'est des escarmouches jouées, partie automatique. Alors, je pense que tu peux pas faire ça contre un ordinateur, hein. Si, invité. Tu peux inviter des gens. C'est 2 contre 2 ou 3 contre 3. 1 contre 1 aussi. Donc je peux pas mettre prêt. C'est un peu dommage qu'on puisse pas jouer contre le PC. Vraiment, c'est un peu dommage. Mais sinon, franchement, les engins sont superbes. Encore, vous avez pas vu tous les tanks, tous les autres véhicules, les avions de chasse et tout. Vraiment très très cool. Regarde, il y a 3 types d'avions de chasse. Pour l'instant, le javelin. Niam, 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 niam. Enfin bon, bref, voilà, le jeu est vraiment super cool. On s'arrête ici pour cette petite vidéo. Je trouve juste parfait au niveau du temps. Donc voilà, je referai une autre vidéo demain. Bien évidemment, tchou bye bye, des bisous. Prenez soin de vous, à la prochaine. Allez, gros pouce bleu, gros abonnement, bien sûr. Niam.